all day, but I don't. Salut à toutes et tous, merci d'être en notre compagnie pour suivre ce nouveau match de football. C'est Hervé Matou bien sûr au micro. C'est un match à haut risque pour cette équipe qui pourrait voir le titre s'envoler pour de bon aujourd'hui. Le Stade Rennais face à Leicester. Il va falloir jouer ce match avec pas mal de pression. En cas de défaite, le titre s'envolerait. James Tavernier, Laurent Abergel. Oh, bien joué, c'était chaud, il a dégagé. Phil Foden. Ouais, la belle aspiration sur cette passe. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Le but qui va les obliger à courir après le score. C'est dommage alors qu'une victoire aurait donné le titre. Mais il y avait de la fébrilité, il y a trop de fébrilité aujourd'hui. Chalobah. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Il glisse ce ballon en profondeur et c'est capté sans problème. Maintenant c'est un adversaire qui récupère cette passe. Peut-être une bonne opportunité, attention. Allez, René qui se régale, qui nous régale avec cette belle séquence de passes. Ouais, hors jeu, indique l'arbitre. Chalobah. Heureusement qu'il était là. Allez, pourquoi pas l'égalisation. L'équipe qui peut de nouveau prétendre au titre. Encore un but et ce serait un pas important vers la victoire. Et ils égalisent donc un but partout. Saliba. Gagne quelques mètres. Foden. Ouais, tentative de jouer ce ballon en finesse. Mais là, c'est complètement raté. J'imagine que c'était pas l'intention. Il s'avance vers la surface. Oh, c'est une marque, ils vont passer devant, attention. Ah, la défense qui a du mal. Ah, c'est le but qui permet à l'équipe de mener. On rappelle qu'elle n'est plus qu'à une victoire du titre. Ça se présente pas mal. Au Stade Rennais qui doit réagir, il est mené. Qui se régale, qui nous régale avec cette belle séquence de passes. Phil Foden. Ouais, il est bien placé pour centrer. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Qui
équipe visiteuse qui court après le ballon dans l'ensemble. Elle a été capable, cette équipe, de se créer des occasions et de les mettre au fond. À elle de préserver son avance maintenant. Un ballon récupéré par l'adversaire. Bonne anticipation sur cette interception. Il Foden. Ouais, lumineuse cette passe. Et la parade! La parade de Rui Patricio! James Tavernier. Ah non, le ballon est perdu. Il va être à bout portant. Eh bien, je crois que le titre est presque dans la poche. L'équipe s'est mise presque définitivement à l'abri. Avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Ouais, il a dribblé. Magnifique. Ah oui, le bon ballon là. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt. Un plongeon exceptionnel. Ouais, bien tiré ce corner. Corner qui est dégagé. C'est donc la mi-temps sifflée à l'instant par l'arbitre sur ce score de 3-1. L'équipe visiteuse qui survole les débats, qui a pris 2 buts d'avance au compteur en marquant juste avant la mi-temps. Le premier ballon de cette seconde période sera René. Un ballon intercepté par Lucas. Il faut trouver une ouverture. Le ballon qui change de possession. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Il va y aller. Oh, magnifique! Le gardien, bien joué. Oh, la bonne occasion! Un superbe geste défensif. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Et on tarde à revenir défendre. Attention. Il Foden. Et l'arrêt de Rui Patricio. Le bon coup d'œil. Oh, c'est dangereux. Et c'est un but. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Allez, il peut relancer son équipe maintenant.
c'est bien donné en profondeur. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Il y avait sûrement mieux à faire. Ce sera une touche. Ouais, très bonne intervention défensive, bien joué de sa part. Il ne parvient pas à contrôler ce ballon. Après cette petite phase de possession, il perd finalement le ballon. Saliba. Ça va être une touche. Tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Il perd le ballon. Alors, touche longue ou touche courte, on va voir.